Le feu se lève a donné le coup d'envoi de cette partie. Content pour la 15e journée de championnat. Ça y est, ça a démarré. Tonnerre à proximité. Il n'y a pas grand monde qui se propose. Oui, finalement, avec Sadler qui essaie de passer. Le nouveau pilier Limouxin arrivé en mois de décembre dernier à Limoux. Après cet intervalle, et c'est magnifique, inscrit par les Rouges et Noirs. Un premier essai. On va regarder qui a pu inscrire cet essai. C'est allé très très vite, et trop vite pour nous visiblement. Quoi on a l'impression soit... que Templeman met dans l'intervalle le centre. On va quand même. Ça que soit Bastien Allaire, non? Non, pas du tout. Ah, c'est Vergnol qui a marqué cet essai, Benjamin Vergnol. On respecte totalement le buteur visiteur. Templeman est gaucher. Et ça passe en plein milieu des poteaux. C'est droit. Pierre-Louis Bourrel, côté gauche, avec Stan Robin, bien sûr. Ça va très vite avec Templeman. Est-ce qu'il est passé sans tôt? Il a adressé une passe en or pour son ailier. Ça risque de faire mouche, cette action-là. Est-il inscrit cet essai? Il semble que oui. Mais quand on voit la diversité de jeux de la part des Limoursins, Roger, on n'est pas étonné. Hein. Limoux est très précis, Limoux a des joueurs de qualité et Limoux utilise toutes ses forces. C'est Sadler qui vient de rentrer, Albert avec l'autre Albert, Lilian, le deuxième ligne, voire le pilier de Lézignan qui est pris à 3 mètres seulement des poteaux. Mais pour l'instant, cette compacité défensive de Limoux est en train de marquer les Lézignanais, ça ne passe pas, quatrième tenue. Encore deux possibilités d'expression avec Albert qui est passé. Ah ça, c'est magnifiquement joué. Un tenu rapidement exécuté à la sortie. Lilian Albert lancé comme un boulet de canon pour inscrire cet essai. On sentait le danger venir, Roger, vraiment. Et ça se concrétise par cet essai plein de panache de la part des Lézignanais. Lilian joue un peu plus collectivement et rentre dans les intervalles. Et ils arrivent à lier le collectif et la puissance aux filles de club ou de groupe. Mais effectivement, c'est une émulation colossale. Et je dis que le jeu peut se poursuivre et c'est le cas. Dernier tenu, dernière option pour les Lézignanais avec cette prise de balle de Corée Normand, semble-t-il, lancé comme un avant, qui aurait certainement inscrit cet essai. Alors que ça chahute un petit peu au sol. A-t-il validé, monsieur Vincent, un score d'équité, Roger, 10 à 10, et quelque part, c'est légitime, on dira. Certainement, dans une poignée de secondes, un 12-10 en faveur des Lézignanais. Et ça passe en plein milieu des perches comme convenu. Pour l'instant, Lézignan eh bien, reprend, Roger, les commandes du match. Une égalité parfaite donc à l'issue de cette mi-temps qui va être sifflée d'ici 20 secondes. Allez, c'est bien la pause ici au stade du Moulin, 12 à 12 entre les deux formations. Lézignan est très bien organisé pour l'instant, ça ne passe pas. Mika Templeman qui prend l'intervalle, il y a peut-être un coup à jouer certainement avec le soutien escompté et c'est Limoursin magnifiquement orchestré et inscrit par Belmazis et Templeman, Roger une nouvelle fois, qui fait la décision de plein fer. Alors regardez, le bon ralenti, la prise d'intervalle, il arrive à mobiliser toute une défense, 4 joueurs et puis Belmazis qui échappe sur au dernier défenseur lézignanais pour inscrire cet essai. Man face au poteau comme précédemment Malonné, ça passe évidemment. S'ils sont à 15 mètres des poteaux les Limouxins, c'est peut-être le break dans cette fin de match. Toutefois ils arrivent au bout de leur intention avec ce coup de Pirazan là de Vergnon, l'essai inscrit par les Limouxins, magnifiquement joué par Bastien Adair, nouvel essai, ça c'est sûrement l'essai qui va sceller le sort de cette partie. Un jeu magnifiquement léché, bien senti, on le voit sur le ralenti, Vergnol, coup de pied dans la boîte, et Adler est le plus prompt à se saisir du cuir pour inscrire ce quatrième essai, qui pourtant dominait territorialement en seconde mi-temps, est parvenu eh bien, à prendre les devants au tableau de marque par sa maîtrise du jeu. Et par sa lucidité, des Limouxins très organisés sur un plan défensif. Et à la sortie, ça finit par capoter. Regardez ce retour désespéré de Puzeau qui a beaucoup pesé sur ce match, Roger. Le froid, non pas polaire, mais un froid très, très marqué ici. Ah, Maxime peut être heureux du fait que son équipe a été vraiment très présente.